Salam alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie qui sera un peu spéciale car nous allons vous présenter un travail qui nous a été proposé par Lemou Abdelzar et Khayt El Bouzid qui ont réalisé une mini station météo qui envoie les données qu'elle collecte vers une plateforme de data streaming qui est Plotly. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce service, voilà un lien vers notre vidéo qui traite de sujet de l'utilisation de Plotly. Le montage se compose de deux cartes Figduino, s'occupera de la collecte de données et l'envoi des données vers un nœud que l'on nommera nœud PUI, qui traitera ces données, puis les enverra vers une carte Raspberry Pi B+, qui elle s'occupera de les envoyer au service Plotly via une connexion 3G. Nous commencerons par la partie acquisition et transmission de données. Pour l'acquisition, ils ont utilisé un capteur d'humidité DHT22. Et un capteur de pression BPM 180. Ces deux capteurs ont la particularité d'intégrer un capteur de température en plus de leur fonction principale. Voilà le programme d'acquisition et de transfert de données qu'ils ont utilisé et qui utilise le protocole Shibi pour la partie transmission sans fil. Pour la partie réception des données, elle se compose d'une carte Figduino qui va transmettre les données reçues des autres nœuds du réseau à la carte Raspberry Pi B+, via une liaison série. La Raspberry Pi, quant à elle, s'occupe d'acheminer ces données en utilisant une liaison 3G au service de Plotly. Ils ont écrit un programme Python qui utilise l'API Plotly pour transmettre en continu les données qu'il reçoit au serveur. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas comment connecter l'API au réseau 3G, nous vous invitons à suivre nos vidéos sur comment se connecter au réseau des opérateurs Ooredoo et Mobilis. Pour finir, ils ont configuré l'API pour qu'elle commence la transmission des données dès la fin du boot du système Raspbian, pour éviter tout besoin de manipulation extérieure. Et voilà les résultats qu'ils ont obtenus sur Plotly, sous forme de graphique ou bien sous forme de données brutes. Ils peuvent partager ces données sur le net, les garder privées ou bien ajouter des collaborateurs qui peuvent utiliser ces données ou bien les modifier. C'est fini pour cette vidéo. Nous voulons remercier nos deux amis pour avoir partagé avec nous leur expérience avec le monde de l'open source hardware. Et nous voudrions vous inviter à faire de même sur notre groupe Open Hardware Algérie et à nous rejoindre sur notre page sur Facebook. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis...